Alors, en ce moment, Z74, ils sont en train de faire un périple en Russie, Russie et Chine, avec l'Antonov 24, hein, le N24. Alors, le N24, c'est un superbe appareil qui fonctionne toujours sur les lignes internes, intérieures à la Russie. Et il n'est pas commode, hein, l'avion, ni à démarrer, ni. Alors, ce que j'aime bien, ce qui est rigolo, c'est que ils font ça à la bonne franquette. Des fois, il sait pas comment ça marche. Des fois, il atterrit sur le nez, il pète les trains, c'est rigolo. Et puis, à la fin, bah, c'est plus intéressant finalement que les gens qui font des tutos. Alors, moi, je suis votre tuteur, alors je vous fais des tutos. Ben non. Non, non, c'est pas. Je la pète un peu. Hein. Je nommerai personne, mais j'y crois, donc. C'est un jeu, hein, c'est un jeu. Même si c'est un jeu un peu compliqué, mais ça reste un jeu. Donc, c'est fait pour s'amuser, hein, pour déconner. Déconner. Il bouge toujours le coco. Le coco. Bon, on n'est pas encore rendu, mais on commence à. Ouais, ça commence. Combien il me dit 10 000 nautiques, 30 000 nautiques. Ah, on doit être encore à 40 000 nautiques. Hein, on n'est pas arrivé. Hein. Mais bon, il va à 200 là. Il va à 200, 100 nœuds, hein. Ouais, 102 nœuds, 2500 pieds. Bon, il se barre évidemment, toujours. Donc, on va arriver sur la grande machine à Delphèvre. Et ça, Saint-Jôme, Delphèvre. Saint-Jôme Delphèvre. En fait, c'est mieux quand tu es passager. Là, c'est plus sauvage. Oh, s'il y a des bleds, hein, quand même. Ah, je pensais que c'était sauvage. Oh, c'est pas quand ça fait ça. Bouge lui toujours. Pour le garder les ailes à plat, c'est quelque chose. Hein. Moi, c'est pas 21, mais bon. En tout cas, il tient bien il tient bien l'altitude. Hein. Non, c'est pareil, hein, ça a des grandes ailes, hein, ces avions. Hein. Donc ça plane beaucoup parce que pourtant c'était un moteur de 600 chevaux. Alors, toile, aluminium et toile. C'est ça, bon, pas mal, hein. Bon, alors après, ça c'est toutes les séries avec les aventures à pouvoir faire avec des gratuits. Hein. Avec des gratuits ciel, des freeware. Je sais pas si c'est le monde que j'avais vu.
celui-là, Mancia, Toretta, le Mancia, c'est celui-là, hein. Pas de... Il me dit qu'il est à 1500 pieds. Ah oui, peut-être 1500 pieds, oui, ça fait 500 mètres. On va aller sur le mont. Regardez ailleurs. Hop, l'avion se barre. Ça donne quoi au niveau des... Température. Ouais, d'accord. Température huile. Je sais pas si ça marche, la pression huile, ça a l'air de marcher. C'est barré, hein. Tiens, regarde ailleurs et il part, hein. Une bande de sable, hein, ça. C'est indiqué sur la carte comme étant une bande de sable, et c'est bien une bande de sable. On dirait qu'il y a des bateaux partout. Non, c'est une blague. Non, non, c'est le relief. Oh, c'est marrant, ça, on dirait des dunes. On dirait une grande dune de sable. Oh, c'est curieux. Oh, c'est une dune. Est-ce que c'est marqué? Ça là. Ah ouais, c'est marqué comme une dune de sable. Formidable. Open topo. C'est bien une dune de sable. Il faut qu'on passe au-dessus du mont machin. On va rester un peu comme ça bouge pas trop. C'est sympa. Là, c'est bien cultivé, là. La dune de sable. La dune de sable. Exactement comme ça. À 700 mètres, 700 mètres en pied. Combien? 2000 pieds, 3 fois 7. 2000 pieds, 3 fois 7, 21, ça fait 2000 pieds. Oh, ouais, un peu moins de 2000 pieds. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal là. Alors là, il y a un beau fleuve. Bah, qui c'est? Qui c'est le fleuve là? Qui c'est le fleuve? Ah, l'Ebro, l'Ebro, elle est archito l'Ebro. Ah, bah c'est l'Ebro. Oh, bah pareil, c'est super connu, l'Ebro. Bah alors, l'Ebro. L'Ebro, l'Ebro, l'Ebro. Bah, je suis trop comme ça, mais je vais me remettre après. Hein. De toute façon, il va le faire tout seul, hein, comme un grand. Il va le faire tout seul comme un grand. Il a tendance quand même. Quand il est bien à plat comme ça, à tourner vers la gauche.
tourne à la gauche, on est bien d'accord. Je le remets. On va essayer de remettre les ailes à plat en regardant l'horizon. Mission combien 121. Je ne sais pas si je vais pas rajouter un compas en trichant. Genre un compas que j'amènerai avec moi, comme le GPS. Parce que là, celui-là, on voit pas les encoches, il n'y a pas de traces. À chaque fois, on se mélange un peu les crayons. Moi, je trouve. Ouais, il se rebarre. 30 top of descent. Poste descente, on va le faire avant. Hein. Peut-être pas remarque. Mais... Ouais, 10 000 avant. On aurait dû aller sur le mont. Hein. À chaque fois, je m'écarte. Hein. Regarder d'ailleurs dans quel état j'ai. Il faudrait que je me décale pas mal sur ma droite. Hop. Je vais le corriger tout de suite. C'est en 24, c'est en 240. Pas trop quand même, pas trop, pas trop. Passer au-dessus du pont. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'ils disent les passagers? Unable to find view ID 7. C'est ça. Bon, ils sont dans leur siège d'osier. Ah si, il y avait des toilettes. Hein. On dirait, ils n'ont pas ouvert, mais il y avait des toilettes. Dehors, c'est complètement barré évidemment. On a dit sur le mont, hein. Pas compliqué d'aller sur le mont là, hein. Est-ce que je peux corriger ma vue externe? C'était le enable. Pas mis, c'était peut-être ça, hein. Oh là, je suis pas du tout sur mon module là, qu'est-ce que c'est, mais je fais n'importe quoi. On doit passer dessus. Voilà. Et après au mont, voilà, c'était bien le mont Torretta, de quoi, je vois rien. Torretta, des, on n'arrive pas à lire évidemment. L'autre se bat.
barre à nouveau. Alors, ma vue. Oh non, ça va pas. Ça va pas du tout. Oh non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, c'est pas ce qu'il faut. Je peux plus utiliser cette vue, c'est pénible ça. Je sais pas ce qu'elle a cette vue, mais je vais re-regarder. Alors, re-regardons. Hein. Tout bleu, qu'est-ce qu'elle a cette vue? Là, elle est bonne, il n'y a rien de spécial. Ah non, faut pas mettre les nav track caméra pitch. Évidemment. Ah, s'il fallait mettre. Oh, je sais pas. Alors là, par contre, je me suis barré. Faut que je retrouve 200, je sais plus combien. Ah. On est au-dessus du mont là. Voilà. Au-dessus du mont machin. Pas pourquoi elle fait ça cette vue. C'est pénible ça. Alors, on va se mettre comme ça. Ça a l'air de tenir. Hop. Un peu comme ça, un peu comme ça. Non, on n'est pas très loin, 8000, 15 000 nautiques. 15 000 nautiques. 15 000 nautiques. 15 000 nautiques. Je réessaye ma vue. Non, ça va pas. Là, ça fait autre chose. Ah, ça casse toujours pas la gueule, donc ça va. Ex-caméra. Ménable external. Mais c'est pas level. C'est ça qu'il faut. Save. Ah, bah c'est mieux. Contre lui, il part. Il se barre complètement, il est pénible. Alors, je sais pas ce que je dois faire là, on va laisser comme ça là. Si j'arrive comme ça, il faudra que j'aille sur la gauche. Ouais, il faudra que j'aille sur la gauche. Quand je suis à 10 000 nautiques. Vingt-six mille nautiques pour le moment. Donc quand je suis à 10 000 nautiques. Je me mettrai sur la gauche pour pouvoir prendre. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Les pistes, la 24, c'est la 240. Cap 6, 24. La 240, je la vois pas. 236. La 236, on fera ça. Ah, il y a un fleuve que j'ai loupé là. Hein? Un fleuve que j'ai loupé. J'essaie bien de me mettre à plat, hein.
tour. À 10 000 nautiques, faut que j'aille sur la droite, non, sur la gauche, et après je prends le 200, qu'est-ce que j'ai dit, je me rappelle, le 236, tourne, toujours l'autoroute, mais non, on a plus vers l'intérieur des terres là. Combien? 6 000 nautiques, 12, ouais, on est bientôt. J'aurais pu faire un point. Évidemment. Façon, si je prends pas bien, je vais faire un truc de piste. Hein. Je prends pas bien parce que sinon c'est pénible. Hein. Mais celui-là, 21, encore 10 000, encore 10 000. Encore 10 000 nautiques. On est vers D0Q, D040Q. Bah, faut faire ça. D040Q. Oh, ah oui, il est là. Ok. Faudrait que j'aille vers. FD231. FD231. Je regarde ailleurs. Moi je le vois pas. FD231, FD231, D231, oui, mes camarades, oui, d'accord. Bon, c'est marrant, et des fois il y a des. FD231. Voilà, c'est un peu dans la montagne. CD231. On
doit être pas loin là, à 16 000. CD 231. Non, c'était pas celui-là, vous avez vu, c'était CD 231, si c'est celui-là. Ah ben on va laisser aller comme ça. On va y arriver là, CD 231. Et à CD 231, il est où mon CD 231? Et ben CD 231, à CD 231, on fera du 236 en essayant de s'y tenir. CD 231, voilà. On essaiera de faire du 236, c'est ça, après, voilà. Alors là, allez, on se rapproche encore, 14 000. À descendre tout doucement après. Ouais, descend toujours par là, on va faire après, on sera à 14 minutes, sinon on verra pas la piste. Déjà que j'y vois rien d'habitude, j'arrive à atterrir à 140. C'est quasiment comme un planeur, il faut que tu sois un tout petit peu au-dessus, mais vraiment pas vite parce que t'as aucun moyen de donc après 236, c'est presque 240. Bon, pour ça va, 240 c'est ici. À le mettre en descente et là on va se mettre en 240. Là, il descend dur, hein. Alors, est-ce que je vois quelque chose? Ah, je suis trop. Ah, est-ce que je vois quelque chose? Rien du tout, d'accord. C'est bien, mais on voit jamais rien. Zéro, zéro de zéro égale la tête à Toto. Allez, FD 231, on sera presque aligné.
chaque fois pour trouver les pistes, c'est quelque chose. Hein. Je ne vois rien. Là, celui-là doit être en face, plus ou moins en face. Je suis toujours aussi rapide, c'est ça qui est bien. On voit rien du tout, rien de c'est rien du tout. D231, je sais pas où c'est. C'est ici. On va pas être trop mal, mais je vois rien. Non, je vois rien, ça descend un petit peu. Oh là là, c'est pas vrai. Masse. Allez là-bas. Je l'ai vu. On l'a vu. Elle est là-bas. Bon. Alors. Hop. Hop. ...1700, donc pas trop trop que je descends, parce qu'elle est à 1700. Voilà. Alors, on va voir si j'arrive à faire un atterrissage un peu meilleur que d'habitude, parce que c'est vraiment toujours pourri mes atterrissages. Donc je suis un peu au-dessus de 1500. Ça ne ralentit jamais, jamais, jamais. Si tu descends, ça ralentit pas. Deux crans de volet, ça sert à rien. Bon, pire pour freiner, ça va être la galère. Pour une fois, je suis pas mal aligné. Ça change de d'habitude. 180. C'est pas mal. Bon.
n'arrive pas à le ralentir. Je sais pas comment on veut faire. Si je le laisse continuer sans freiner, il continue, il va jusqu'au bout de la piste, il s'arrête pas. Bon. Voilà cette étape de fait. Eh ben, à bientôt pour une prochaine.